This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. Il n'y en a pas eu. C'est un concept intéressant, mais qui n'a pas de substance. C'est-à-dire qu'à la fin des années 1940, au début des années 1950, on est entré dans une conjoncture caractérisée au fond par les résultats de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une victoire militaire soviétique, parce que c'est une victoire militaire soviétique, avec un vrai vainqueur qui est américain, parce qu'il détient la puissance économique, alors que le vainqueur militaire est absolument anéanti. De ce point de vue d'ailleurs, il y a de grandes similitudes, toutes choses égales d'ailleurs, entre le vainqueur militaire soviétique de 1945 et le vainqueur militaire français de 1918, toutes choses égales d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de choses inégales. Dans cette conjoncture, il y a un certain nombre de pays qui sont caractérisés par la mainmise coloniale, dont les forces sociales sont hostiles à cette mainmise coloniale, avec des structures de classe différentes suivant les pays, c'est-à-dire que les forces nationales sont dominées par tel groupe ou tel groupe dans tel pays, la fraction populaire est plus importante, dans tel autre pays c'est la fraction bourgeoise qui l'emporte, et évidemment dans la conjoncture de 1945 et des années suivantes, les deux forces représentatives du monde, c'est-à-dire d'un côté le capitalisme triomphant des États-Unis, de l'autre côté le pays victorieux qui est aussi le pays du combat anticolonial, s'affrontent et suivant les éléments dominants de chaque pays, vous avez évidemment des rapports de force différents, mais une tendance générale de ces pays dits non alignés à s'appuyer sur l'Union soviétique, au moins d'une certaine manière, pour essayer d'obtenir des avantages dans les rapports avec le monde capitaliste dont ils dépendent, parce que leur classe dirigeante sont directement liés avec les anciens pays colonisateurs ou avec le pays qui prétend remplacer l'ancien colonisateur, c'est-à-dire avec les États-Unis. Et donc, pendant toute la période, les années 1950, où il y a encore une très grande force de propulsion du monde socialiste, eh bien, vous avez ce moment qui n'est pas du tout une troisième voie, mais où il y a d'une part un affrontement interne dans chacun des pays et d'autre part des forces à l'intérieur des mouvements de libération nationale, des forces pas progressistes mais des composantes bourgeoises qui sont tout de même confrontées à de telles exigences des pays impérialistes qu'il leur est très commode de temps en temps, ma foi, de s'appuyer sur l'Union soviétique. Je pense à un pays comme l'Iran, qui cessera très vite d'ailleurs d'être non aligné parce que les États-Unis y veillent, mais il est tout à fait caractéristique qu'à l'époque de Mossadegh,
qui représente une famille, une des plus grandes familles bourgeoises, une des plus grandes familles, une des plus richissimes, et vraiment la quintessence de la grande bourgeoisie iranienne. D'abord, le combat soit mené contre contre Mossadegh, au motif que Mossadegh est communiste, ce qui est grotesque. Mais Mossadegh a besoin de s'appuyer sur l'Union soviétique parce que Mossadegh a ce qu'on appellerait aujourd'hui une position de défense de souveraineté nationale et voudrait bien que les profits de la compagnie pétrolière dévolue pour l'essentiel à l'Angleterre passent à l'Iran. Et par conséquent, vous avez là toute la richesse et l'ambiguïté de ce qui fait les pays non alignés. Non-alignement insupportable aux États-Unis parce que la question qui est posée est encore celle de l'expansion impériale. Ce qui est pris à une nation ne peut pas être conservé à la nation impériale ou impérialiste. Et vous avez un aspect de ce combat qui ne cesse pas des années 1950 aux années 1960 et que remportent les États-Unis en 1965 quand ils aident une fraction des militaires dépendants d'eux à liquider à peu près 1 million de paysans et toute orientation non alignée de l'Indonésie, ancienne colonie des Pays-Bas.